Muy bien, estamos aquí con el profesor Jordi D. Huberman, uno de los filósofos e historiadores del arte más importantes de nuestro tiempo. Bienvenido a la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor. Sí. Es un placer tenerlo aquí. Placer también para mí. Y además tener la oportunidad de platicar con usted de algunos temas muy, muy actuales, muy importantes para México. Es en el ámbito de su especialidad, porque usted publicó un libro el año pasado dedicado a la migración, en coautoría con una poeta griega, donde reflexionaba sobre los migrantes, pero también sobre las imágenes de estos migrantes. Sí. Como sabe, en nuestro país, la frontera con los Estados Unidos implica que tenemos ese fenómeno de la migración constantemente. Sí, lo sé. Y ahora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone la construcción de un muro. Un muro para evitar la migración. Pero no será, profesor, me gustaría preguntarle, que este muro intenta evitar la migración de las personas, pero tal vez también la migración de las imágenes de las personas. Disculpe de hablar en francés. No, por favor. Donald Trump ne va jamais rien empêcher. Il a beaucoup de pouvoir. Mais ce pouvoir n'est rien en face de la puissance de mouvement des gens, des êtres humains, comme des images. Donc, de toute façon, la migration ne va jamais cesser, jamais. On a compris dans la science anthropologique que s'il y a aujourd'hui un homo sapiens, c'est parce qu'il a été d'abord un homo migrans. Quelqu'un qui resterait toujours au même endroit deviendrait complètement idiot, de toute façon. Alors, je n'ai pas écrit un livre sur la migration, et je dois dire modestement que je ne suis pas spécialiste de cette question. Simplement, c'est vrai que d'une part, la théorie des images qui m'intéresse et que j'ai essayé de prolonger à partir de Abi Warburg, c'est l'idée que les images sont des opérateurs de migration. Les images sont faites pour migrer. Une image par excellence, c'est le genre d'image que Warburg aimait beaucoup, mais aussi Walter Benjamin, c'est les timbres-poste. Donc, vous prenez un timbre-poste, c'est une petite image, vous collez sur l'enveloppe, et alors l'image va vous aider à transmettre une parole d'un côté à l'autre de la frontière. Warburg avait montré que même l'art de la Renaissance, florentine ou toscane, qui est tellement fier de lui-même, il ne serait pas possible sans tout un jeu de migration, etc. Claro. Maintenant, il y a une situation actuelle dont vous parlez, et au fond, là aussi, je vais répéter le mot modestie. J'ai simplement fait un commentaire d'un poème que je trouve très très beau, de Niki Jannari, qui n'est pas un auteur reconnu, même en Grèce, qui est aussi une activiste dans ce qu'on appelle à Thessalonique un dispensaire social et médical, où on soigne gratuitement les gens qui n'ont plus aucun droit, les gitans, les migrants, les gens qui n'ont plus la sécurité sociale, etc. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans une ambiance de anarcho-autonome, vous voyez ça, qui est d'une humanité extraordinaire. Donc moi, très souvent, j'écris des choses par admiration pour un objet.